à tous ce soir sur le plateau d'une question pour un pro. Le thème principal sera les océans. Et voici les candidats. Thomas, Mélie et Célia. Alors, première question. Quel est ta grande marque? La mer Noire. C'est un courant océanique défini par sa température et sa vitesse. Je ne sais pas. Mélie a donné la bonne réponse. Un courant marin est un mouvement d'eau de mer continu et cyclique caractérisé par sa direction, sa vitesse et son débit. Il existe deux types de courants, les courants de surface et les courants de profondeur. Les courants de profondeur sont là où les vents n'ont plus aucune influence sur les mers et les océans en dessous d'environ 800 mètres de profondeur. Deuxième question. D'où viennent les courants marins ? Les courants marins sont générés par la rotation de la Terre, les vents et les différentes températures. C'est ça. Les vents qui soufflent à la surface des mers et des océans entraînent les eaux de surface dans leur direction. De plus, les eaux sont entraînées par la rotation de la Terre. Ce sont alors les vents et la rotation de la Terre qui sont la cause des courants marins. Les principales différences entre les courants forts et fonds. Je ne sais pas. La profondeur et la position géographique. Parce qu'on a ouvert le robinet, oui. Les courants marins sont effectivement chauds et froids selon leur position géographique. Les courants froids, qui ont alors plus de salinité et densité que les courants chauds, se trouvent en profondeur. En revanche, les courants chauds se trouvent à la surface et passent une densité plus faible et moins dense. Quel courant marin? Le chaud de la planche. Bah, je sais pas. Le Gulf Stream. Bah, EDF, hein. Oui, c'est vous le dites. C'est une bonne réponse de Mélie. Alors, la question la plus importante. Pourquoi les courants marins sont-ils si importants? Les courants marins jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes océaniques. D'abord, ils participent à l'ajustement des températures marines et à la circulation des éléments nutritifs qui conditionnent le cycle vital des nombreuses espèces. Ensuite, ils assurent le transport des larves planctoniques des lieux où elles sont nées vers les lieux où elles sont consommées ou aux endroits où elles se fixent et s'installent pendant leur vie adulte. Et c'est tout pour ce soir, on se revoit demain à la même heure sur un nouveau thème.